personne ne peut être livré en sorcellerie sans que la personne qui te lie ne soit membre de ton enclos familial. Or, si la personne qui donne l'autorisation est membre de ton enclos familial, the ça veut dire que cette personne est un homme fort. Elle a un bâton qui lui permet de mettre des interdictions sur la vie et de prendre certaines décisions. Dieu est conscient de cette vérité. C'est pourquoi, quand tu l'acceptes, il t'envoie dans une église. Pourquoi est-ce qu'il t'envoie dans une église? C'est pour recréer le principe de la famille. Tu es issu d'une famille biologique. Il veut te mettre dans une famille spirituelle. Devant la famille biologique, il y a quelqu'un qui a un bâton. Au niveau de la famille spirituelle, il y a quelqu'un d'autre qui a un bâton. Et Dieu dit, en Hébreux 13, 17, Dieu dit que ton berger, ton père, est le gardien de ton âme. Quand il dit gardien de ton âme, Dieu dit quoi? Il dit ton conducteur. Ça veut dire que les brebis sont appelées à être conduites et à être dirigées. Celui qui te conduit, qui te dirige, ton père, la Bible dit il veille sur ton âme. Il ne veille pas sur ton corps, il veille sur ton âme. Mais s'il veille sur ton âme, ça veut dire qu'il veille sur ton sang. S'il veille sur ton sang et qu'à partir du même sang, quelqu'un peut te condamner, ça veut dire qu'il a toute l'autorité de parler sur ton sang et sa parole va agir. Parce que Dieu l'a établi gardien de ton sang. C'est même s'il y a une iniquité, j'ai le bâton pour parler sur ta destinée. Un chrétien qui est dans une église, il n'obéit pas à son père spirituel, ne sait pas ce qu'il fait. Il se met en danger inutilement. Un chrétien qui est dans une église, sous l'autorité d'un père, qui n'obéit pas à son conducteur, se met en danger. La Bible dit, veille sur ton âme. Ça veut dire qu'il devient le gardien de ton sang.